On est reparti. Une semaine de salaire, Pedro. Allez, là c'est différent. C'est 100% garanti. Tu peux pas te courir. Analyse, analyse. Qui êtes-vous, monsieur? Pedro Abdar. D'accord. Paris illégaux, fraude. Monsieur. Attends, 2005? Il est plus jeune que moi. Ouais. Il a 29 ans, dans le jeu. Non, n'importe quoi. Il a 33 ans. 33 ans. Ouais, c'est ça. Il y a d'autres choses à analyser? Qui c'est, lui? Toi. C60. Permis de service d'hygiène alimentaire de Détroit. Ah. Ok, j'accepte. C'est cool. Eh, hey, tu vas pas le regretter. Ludacris. Yeah. Oh. C'est quoi ton problème? Tu fais jamais ce qu'on te demande. Écoute, t'es pas obligé de me coller au train comme un caniche. S'excuser. Je suis vraiment désolé pour ma conduite au commissariat. Je ne voulais pas être désagréable. Ah, waouh. T'as même un programme d'excuses en mode faux d'air, Jeb. Ils ont vraiment pensé à tout chez Cyberlife, hein? Et voilà. Analyse. En morgue. Ah oui, de l'eau à 53%. Ah, du soda, Coca-Cola, merde. Ah, je crève la dalle. Ananas passion. Laisse pas ce truc ici. Aucune chance. Il me suit partout où je vais. Plus loin. Non. Bon appétit. Je vous souhaite bon appétit. Merci. Repas gratuit. Vous n'avez pas payé votre repas? Gary est un ami. On se rend des petits services comme ça. Autoroute. Ce matin, quand nous avons poursuivi les déviantes, pourquoi vous ne vouliez pas que je traverse la route? Parce que t'aurais pu te faire tuer. Et je déteste remplir la paperasse pour l'équipement endommagé. Est-ce que vous avez des questions me concernant? Sûrement pas. D'accord. En fait, si. Pourquoi est-ce qu'ils t'ont donné un air débile et une voix bizarre? Les androïdes Cyberlife sont conçus pour travailler en harmonie avec les humains. Mon apparence ainsi que ma voix ont été spécialement étudiées afin de faciliter mon intégration. Eh ben, ils sont bien foirés. Déviants. Je devrais peut-être vous dire ce que nous savons sur les déviants. Tu lis dans mes pensées. Vas-y. Nous pensons qu'il se produit une mutation du logiciel chez certains androïdes, ce qui les incite à émuler les émotions humaines. Tout ça, c'est du chinois. Pardon ? Ils ne ressentent pas vraiment ces émotions, mais ils sont submergés d'instructions irrationnelles, ce qui ouais, provoque la un musique. Comportement imprévisible. Ah, je vais me faire copy-striker par la musique dans le jeu. Les émotions, ça fout toujours la merde. Les androïdes sont pas si différents de nous, après tout. Puis-je vous poser une question personnelle, lieutenant?
Pourquoi vous détestez autant les androïdes? J'ai mes raisons. T'as déjà eu affaire à des déviants? Il y a quelques mois, un déviant a menacé de sauter d'un toit avec une fillette. J'ai réussi à la sauver. Bon, je suppose que t'as bien fait tes devoirs. Tu dois savoir des tonnes de trucs sur moi. Bah, dire la vérité. Je sais que vous avez fini premier de votre promotion. Vous vous êtes distingué sur quelques enquêtes et êtes devenu le plus jeune lieutenant de Détroit. Eh ben, bravo. Je sais aussi que vous avez reçu plusieurs avertissements ces dernières années et... Bah, bravo que aussi. Vous fréquentez beaucoup les bars. Bah, bravo. Alors, qu'est-ce que t'en conclus? Être sincère. Je pense que travailler avec un agent ayant des problèmes personnels ne facilite pas les choses. Mais m'adapter aux aléas des humains fait partie de mes fonctions. On vient de nous signaler un déviant potentiel. C'est à quelques rues d'ici. Nous devrions aller voir. Je vous laisse finir votre repas. Je suis dans la voiture en cas de besoin. Très bien. Connor, t'as les batteries à plat ou quoi? Excusez-moi, je remplissais un rapport pour CyberLife. Si seulement c'était si simple. T'as l'intention de passer ta journée dans l'ascenseur? Non, j'arrive tout de suite. Oh là là, l'inspecteur Deathclaw, de retour. Interroger le suspect, mais parfait! Qu'est-ce qu'on sait sur ce gars? Pas grand-chose. C'est le voisin du dessus qui a signalé des bruits étranges venant de cet étage. Personne n'est censé habiter ici. Mais le voisin aurait vu un homme dissimulant une diode sous sa casquette. Oh putain. Analyse. Des plumes. Des pigeons. Si on doit mener l'enquête, à chaque fois que quelqu'un entend un bruit étrange, la police va devoir sérieusement recruter. Personne. Il y a quelqu'un ? Police de Détroit, ouvrez! Reste derrière moi. D'accord. Analyse, analyse. Analyse. Oh, ça rame du cul. Oh, des pigeons. Putain, mais c'est quoi ce bordel? Ah, oh, c'est pas vrai, ça pue ici. UFO. Ah non, c'est UFO. Déplacé pour rien. Affiche pour une ferme urbaine. Ferme. Une ferme. Coin d'affiche. Papier recyclé. Déplacé récemment. Non. Je ne serais pas si sûr. What the fuck? Il s'emmerdait tellement. Il a fait un labyrinthe sur ça. T'as trouvé un truc? Non. Je ne sais pas. On dirait un carnet, mais il est indéchiffrable. On peut dire que ce gars aimait les pigeons. Putain, mais barrez-vous! On va faire notre Jean-Marie Le Pen face aux pigeons. Ouais, n'est-ce pas? Il nous chie dessus, n'est-ce pas? Le suspect ne mange pas. Alors il n'est pas humain. Ça n'est pas un humain. Oh, n'est-ce pas? Où se toi le pigeon? Aime les animaux sauvages. Ah bah tiens. C'est parfait.
prélevé. Il semble. Porte disparue. 2036. Une diode, enfin un truc bleu. Une LED. 20h38. Il y a sa diode dans les pieds. J'aurais dû me douter que c'était un androïde. Aucun humain ne pourrait vivre avec autant de pigeons. Era 9. Tu sais ce que ça veut dire? Non. Era 9. Écrit exactement 2471 fois. Furie. C'est le même sigle que l'androïde d'Ortiz a écrit sur le mur de la douche. Pourquoi sont-ils obsédés par ce sigle? On dirait des genres de labyrinthes. Un tabouret. Analyse. Tabouret. Marque IKEA. Déplacé récemment. Eh oui, mon con. Eh oui. Un marqueur. Utilisé récemment. Ton envie de mes nuits. Noir. Mais tu... Non. Ah, putain, je déteste ces trucs. Non, on peut reconstituer la scène. Reconstitution. Trace de doigt, le fil, enfin le, oui, le crochet, le truc qui retient, des griffures, pas des rayures. Reconstitution de la scène, terrible. Il s'est pris la cage. Il a couru vers l'entrée. Veste militaire. RT. Sans doute des initiales. Il a mis ses initiales sur sa veste. Le genre de truc que fait ta mère quand t'es en colo. Permis de conduire. Faux. Le permis de conduire est un faux. Cool, au moins on sera pas venu là pour... Rien. J'ai oublié un truc. Il y a un truc dans la reconstitution. Ah oui. Ah. Vous êtes... mais pousse-toi. Pousse-toi, connard! Vous avez été repéré. Des graines. J'arrive pas à te croire. Ah, saloperie de pigeon de merde! Mais qu'est-ce que t'attends? Rattrape-le! Oui, monsieur, tout de suite. Inspecteur Deadclaw, vous êtes en état d'arrestation. Venez ici que je vous bute, sale enculé. Analyse, rapide mais risqué. C'est comme avec toi. Ton prudent, rapide mais risqué. Rapide mais risqué. Toujours. Toujours rapide mais risqué. Attention. Toujours. Aha! Aha! Merde! Là! Rapide mais risqué. C'est...
Merde. Là, de toute façon, il a bugué. Toujours rapide mais risqué. Aha. Putain de merde. Il est là. Ah là là, c'est terrible, moi qui cours après. On passe par là. Pas le temps. Merde. Sauver Hank. C'est ma faute. J'aurais dû être plus rapide. Tu l'aurais eu si je t'avais pas ralenti. C'est pas grave. On sait à quoi il ressemble. On le trouvera. Oui. Enfin, je crois. Hé, hey, Connor. Non, rien. Un petit merci, quand même, je t'ai un peu sauvé la vie. Il faut sauver le soldat Hank. On continue. Terrible, terrible du cul. Terrible, terrible. Qui êtes-vous? Des fugitifs. Comme toi. Je m'appelle Josh. Je m'appelle Simon. North. Alors c'est ça, Jericho? C'est un refuge pour ceux qui ne veulent plus être des esclaves. Liberté. Se cacher pour survivre, c'est ça la liberté pour vous? Les humains nous haïssent. Se cacher est notre seul moyen de survivre. Les androïdes comme nous sont en sécurité nulle part. Si les humains nous trouvaient, ils nous tueraient. Androïdes ? Combien êtes-vous ? Nous sommes 19 à être encore opérationnels. Les autres ont été endommagés en fuyant leur maître. Beaucoup essayent d'atteindre Jericho. Peu y parviennent. Les humains n'ont aucune pitié pour nous. Je sais ce que tu ressens. Mais nous sommes plus libres ici que tu ne l'as jamais été. Attendre dans l'ombre qu'il se passe quelque chose. Ce n'est pas ce que j'appelle être libre. T'es perdu. Comme nous tous ici. On n'a pas demandé ça. Tout ce qu'on peut faire, c'est vivre avec. Tu es en sécurité. Tu peux rester aussi longtemps que tu voudras. Ok. Va voir Lucie. Elle pourra peut-être t'aider. Eh bien, madame, je tiens à dire que vous n'avez... vous êtes en train de perdre votre eau. Trouvez Lucie, explorez Jericho. Analyse. Explorez Jericho. Chut. Du feu. Bonjour. Je suis pas en grande forme. Non. Tu respires pas la bonne humeur. Hein.
Mon programme de diagnostic est en panne. Tu vas mourir. Le résultat ne serait pas très encourageant de toute façon. Oui. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ils m'ont traîné derrière une voiture. Je crois qu'ils voulaient s'amuser. Je ne veux pas me désactiver. Non. Je ne veux pas me désactiver. Sinon, j'ai fait mon intro, je sais pas. Si on doit lui parler, elle, puisqu'elle a l'air de s'amuser. Quelle était ta fonction avant de venir ici? Qu'est-ce que ça peut faire? Ah merde. Ah ouais! Qui a trouvé cet endroit? Personne ne s'en souvient. Qui que ce soit, son corps est sûrement quelque part sur ce bateau. La plupart de ces androïdes sont en sale état. C'est comme ça que les humains traitent ceux qui désobéissent. Ils nous méprisent. Jamais ils ne nous accepteront. Si t'es venu chercher du réconfort, tu t'es trompé d'endroit. Eh ben... pas très accueillante, hein. Pas très... chaleureuse, on va dire. Lui, là. Pas lui parler. Pas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que nous avons? Casse déjà vide. Terrible du cul. Super life. Du trajet. Trouver Lucie. C'est toi, Lucie? Assieds-toi. Oui, Google. Oui, maman Google. Dis, maman Google, comment tu as fait pour détrôner un Internet Explorer? Montre-moi. Ta bite. Surtout qu'il y avait un zoom. Je vais arrêter l'hémorragie. Et qu'il fasse pas aïe. Parce que sinon je crie au scandale. Non, c'est bon. Bois ça. Ceci est mon sperme. Mais pas entièrement, connard. Ok. Ok. Se lever et embrasser. Donne-moi ta main. Non. Je suis obligé. Bizarre.
me fait penser à Iris Morn dans Destiny. Tu avais tout. Et tu as tout perdu. Tu as vu l'enfer et maintenant il te hante. Ton cœur est troublé. Il est partagé entre l'ombre et la lumière. Que choisiras-tu ? Tes choix forgeront ton destin. Bah, ça je le sais. Poser un plan à Simon. Ah ah. Simon. Ah, c'est Simon, pas Simon. Je sais où on peut trouver des pièces. Les entrepôts de Cyberlife dans le port de Détroit. Il y a tout ce qu'on cherche là-bas. Les quais sont surveillés. On peut pas simplement y aller et prendre ce qu'on veut. Les humains nous laisseront pas faire. C'est pour ça qu'on ne va pas leur demander la permission. Mais on n'a pas d'armes. Et même si c'était le cas, aucun de nous ne sait se battre. On peut voler ce dont on a besoin sans avoir à se battre. On va juste réussir à se faire tuer. Possible. Mais c'est mieux que d'attendre qu'on nous désactive. Je suis avec toi. Ça vaut peut-être le coup d'essayer. Allez. Ok. Je te suis. Merci. Merci. Et vous en saurez plus dans le prochain épisode. Sur ce, je vous fais de gros bisous.